C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour tester une nouvelle palette qui est la palette Princesa Azteca Palette. Donc je ne suis pas sûre de mon accent, mais bon, elle se présente donc ainsi, qui est donc la Princesa Azteca Palette. Quel accent! Qui est de la marque Kiss Crown Palette Cosmetics et qui se présente ainsi. Alors moi j'ai reçu cassé, le miroir a été cassé, il y a un miroir, mais en fait en contactant le service, ils m'ont en fait remboursé la palette puisque le miroir était cassé. Donc finalement j'en demandais pas tant, mais c'est pas si mal, c'est comme quoi c'était ça. Comme quoi ils ont pris la commande au sérieux, puisque j'ai été totalement remboursée de cette palette qui coûte que 8,16 €. Mais comme le miroir, donc comme vous voyez, est arrivé fissuré, ils m'ont remboursé. Donc pour ce qui est des fards que je vous présente, il y en a 30. Ce qui comprend 17 fards mat et 13 irisés. Et donc on va la tester tout simplement aujourd'hui, et après je vous donnerai mon avis sur cette palette. Donc si cela vous intéresse, eh bien c'est parti. If I drove to you tonight, would you wanna get away? We could get on a flight and leave today. My mind has been running wild, thinking away. I'd rather be now. I know it has been a while since you envisioned what you once dreamed of. Will you take my hand and run? Won't you take my hand and we can get away? Here we go. Our dreams will be awakened down the road. All I know is we'll be reflecting back when we are old. Let's just run. And as we move, we'll see your love, the stars align. Now we are young, so just take my hand, let's get away tonight. See the lights, our future starts today. And I'm in love with the sight, there's nothing I would change. When you are here by my side, you're the wind in the ceiling, I'm in the ocean. We can feel alive, riding these waves out in the open. Will you take my hand and run? Won't you take my hand and we can get away? We go. Our dreams will be awakened down the road. All I know is we'll be reflecting back when we are old. Let's just run. And as we move, we'll see your love, the stars align. Now we are young, so just take my hand, let's get away tonight. As we move, we'll see all of the stars align. Now we are young, so just take my hand, let's get away tonight. Remember when love was
was all that mattered. I do remember how I used to make you laugh until it hurt. Now those memories fell like thorns on a patch, a rose I can no longer touch. You're just another scar placed on my heart, a sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we drag us down, and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you daily. But I know I'll get over you. I'll try to focus on what's in front of me and not behind. What is life without the one you love the most? Who I am without you? You're just another scar placed on my heart, sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we drag us down, and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you daily. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. J'ai essayé de vous proposer de make-up un peu différents. J'espère qu'ils vous auront plu et vous auront donné une idée sur les possibilités que vous avez avec cette palette. Donc pour ce qui est de mon avis concernant cette palette, qui est la Princesa Azteca palette de chez Kiss Crown Cosmetics, je suis pas conquis, je vais vous dire honnêtement. C'est des jolies couleurs, mais la pigmentation n'est pas géniale. Enfin, la pigmentation est aléatoire. Il y a des fards qui sont très bien pigmentés. Et il y en a où vraiment, c'est pas ça, quoi. Ou à moins de passer 10 fois. c'est pas le top niveau pigmentation sur certains fards. Contrairement à d'autres qui vont être plus pigmentés. Au niveau du travail des fards, ils se travaillent plutôt assez bien. C'est pareil, c'est mitigé. Selon les couleurs, certaines se travaillent bien, d'autres non. Niveau chute, il n'y en a pas. Autant ils sont poudreux dans le pâle, autant une fois que vous les appliquez avec le pinceau, il n'y a aucune chute. Donc voilà, je ne suis pas conquise. C'est trop aléatoire au niveau de la pigmentation des fards pour moi. Je préfère avoir une palette où je suis sûre que les fards sont pigmentés. Ou pas du tout, que d'avoir une ou un sur deux, la pigmentation est là ou pas. Donc voilà, si vous voulez quand même l'essayer ou si vous voulez avoir la référence de n'importe quel produit utilisé pour cette vidéo, vous les retrouvez dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la consulter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez aucune autre vidéo qui sortira.
Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, ça me fera très plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.